Alors, du coup, on va faire cette petite boîte. Je vais vous montrer comment faire pour pouvoir renforcer une boîte pour mettre quelque chose d'assez lourd dedans. Voilà, tout simplement. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Et faire un petit déco comme une boîte de cadeaux dessus, un paquet cadeau avec les petits rubans. Voilà. Donc, pour ça, en premier, il va vous falloir un morceau de papier déco de Noël, tout simplement. Moi, j'ai pris ça. J'ai déjà marqué, en fait, mis le petit mot dessus. Et il vous faut tout simplement une feuille 30,5 par 30,5. Sur un côté, vous allez marquer un pli à 7,1. Hop, ici. À 7,1. Et de l'autre. Et puis à 19. Alors, du coup, sur un côté, donc dans ce côté-là, hein, puisque moi, c'est ça, vous allez le prendre à l'endroit, vous allez marquer un pli à 7,1 et ensuite après, un pli à 19. Vous mettez le grand rectangle en haut et vous allez tracer des plis à... Je vais le faire avec vous. Alors, je vais le mettre dans l'autre sens. Alors, à 7... Je vais mettre comme ça. Hop. À 7,2. Que je coupe pas. À 14,6. C'était des inches, hein. Et le dernier à 29,2. Hop, ça vous fait la petite languette de collage. Voilà. Maintenant, on va marquer tous nos plis. Voilà. Donc... Je vous ai fait un petit croquis. J'ai oublié de marquer un pli, le dernier, hop, ici. Donc, vous allez mettre vos petits carrés en bas. Le petit morceau qui est là sur le côté, le rectangle, on le retire, on n'en a pas besoin. Et on fait un petit... Alors, moi, j'ai coupé comme une... D'habitude, je prends pas ce ciseau-là. C'est des ciseaux que j'ai achetés, qui sont tout neufs. Et je n'ai pas l'habitude de travailler avec. La languette qui est en haut, on va la couper également. Et on va faire un petit biseau. Voilà. Donc du coup... Ah, ben, j'ai vraiment pas l'habitude de travailler avec ces ciseaux. Hein. Voilà. Hop. Du coup, ça vous fait une petite languette ici sur le côté. Maintenant, vos petits carrés qui sont en bas, on va venir les couper. Voilà, tout simplement. Ici, les rectangles qui sont en haut, on va les couper également. Alors, je vais vous expliquer après le croquis que j'ai fait. Et je coupe là également. Voilà.
Donc du coup, on a tout coupé. Maintenant, en fait, les grands rectangles que l'on a fait, on va venir tout simplement couper très légèrement de façon à ce que lorsque l'on va plier, ici, ça ne vienne pas se mettre en chevauchant. Donc je coupe un tout petit peu à droite. Alors je coupe pas en biseau. Hein. Hop. Là, je vais faire la même chose. Sur celui de droite ou de gauche, on s'en fiche. Hein. Couper un tout petit bout. Voilà. On fait pareil ici. De façon à ce que lorsque l'on va plier, en fait, hop, vous voyez, ça se, comment, ça vienne pas se chevaucher et nous empêcher de plier, en fait. Hop. Là, c'est bon. Et là, c'est bon. Voilà. Ici, on va faire la même chose. Ah, ce casse-pied. Hop. Là, je vais faire pareil. Peu. Hop, et là je vais faire pareil. Voilà, tout simplement. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est que ici, on va venir, je vais mettre dans le bon sens, mettre du double face sur les grands rectangles du haut que j'arrive à attraper mon double face. J'ai plein de tutos qui sont prêts à vous faire. Du coup, j'ai du bazar partout, n'est-ce pas ? Hop, on va en mettre un morceau ici. On fait pareil sur les autres. C'est le cas de dire que ça tienne correctement. Ah, ça me colle le doigt. Le double face de chez Craftelier, vous pouvez y aller, il colle. Hein. Moi, j'achète les paquets où il y a les gros, les moyens et les petits. Et voilà. Donc, il y en a une qui chouine, à bientôt être l'heure de manger. Hop. Vous voyez, comme ça, on va pouvoir bien les mettre. Voilà.
Voilà. Et en fait, ça va renforcer les parois de votre boîte. Et voilà. Ce que l'on va faire, on va venir mettre du double face. Alors, normalement, moi, je fais ça, voilà. Je le mets dedans. Alors là, j'ai oublié de le faire pour que ça fasse moins moche. Donc, je décolle. Ça, ici, je vais venir le mettre dedans. D'accord? Donc, je vais mettre du double face à l'intérieur et à l'extérieur. Alors, je remets là. Ah, y est, Ashwin. Il est 6h. Et madame, c'est comme un EHPAD, c'est pareil. Je regarde parce que tout à l'heure j'ai fait un tuto et ma caméra elle s'est arrêtée en plein milieu. Pourquoi, je sais pas. Là, on fait pareil. Si j'y arrive. Ah, ben bon sang. C'est bien la peine de laisser pousser les ongles. Hop. Et ça, on va venir le mettre à l'intérieur. Ah, il y a une mouche. Hop. Hop. Et voilà. Comme ça, on ne voit pas. Voilà. Comme ça, vous n'avez pas de... Comment, je vais remettre un peu de colle ici. Vous n'avez pas de... On ne voit pas, en fait. Vous voyez la languette ? Ni dedans, ni dehors. Voilà. Hop. Maintenant, on va coller nos carrés. On va les laisser entiers. Alors, celui-là, c'est le plus mieux, le plus mieux. Vous regardez celui qui va aller faire le, qui va faire tout le, tout votre carré. Ça va être celui-là. Donc, je vais coller dans ce sens-là. Donc, je mets de la colle ici. Hop, je colle. Cette colle-là, c'est une cata. J'aime pas. Sens. Et le dernier. Hop. Voilà. Maintenant, on peut faire avec les doigts. Voilà. Et là, vous avez votre boîte qui est renforcée. D'accord? Maintenant, on va venir faire le couvercle. Alors, pour faire le couvercle, il va vous falloir en fait un morceau de papier déco qui fait 17,4 par 17,4. Tout le tour, sur les quatre côtés, vous allez faire un pli à 2,5 et à 5. D'accord? Donc, 2,5 et 5. Sur les quatre côtés. 2,5 et 5. C'est ça ou c'est pas celui-là qu'il fallait que je colle? Je pense que c'est celui d'après. Que j'ai fait une... Ah non, c'est bon. C'est tout bon. Hop. Ensuite, on va venir couper les trois petits morceaux. Vous avez trois carrés, vous coupez 1, 2 et 3 morceaux.
Alors celui-là, là on coupe ici. Hop, là on coupe les deux carrés. Là je vais couper le carré qui est là. Voilà, et là tout simplement je vais couper sur la ligne. Ça c'est tout simple. Hein. Voilà, je vais faire un biseau à droite et un biseau à gauche. Voilà, ici je vais faire la même chose. Je coupe jusqu'au bout. J'ai coupé comme une cacahuète là. Je vois pas le pli. Un biseau à droite et un biseau à gauche. Hop, je fais pareil en face. Hop, là je fais pareil. Là, et là je fais pareil. Voilà. Là, j'ai mal coupé. Voilà, donc du coup ce qu'on va faire c'est que on va coller et on va renforcer comme ça notre boîte. Donc on va d'abord coller nos petites languettes avec de la colle. Ah c'est, j'aime pas ce truc, je vais le dire à chaque fois, vous allez commencer à comprendre hein. Oh, bah ça y est, j'en ai mis partout. Hop. Ça colle quand ça a envie. Et j'en ai pas mis sur celui-ci. Voilà. Et voilà. Et voilà. Et voilà, et voilà. Hop, on va mettre maintenant de la colle sur les languettes qui sont là. Hop, et on va rabattre à l'intérieur. Oh, qu'est-ce que ça m'agace. Ici et là. Hop.
l'impression de ne pas avoir mis de colle. C'est bizarre ce truc. Pourtant, il y en a de la colle. Hein. Je sais pas. Pas collé. Voilà, donc là on a le couvercle de notre boîte, d'accord. Donc du coup moi j'ai mis Joyeux Noël ici, là on va venir y mettre un petit nœud, une déco dessus, mais avant on va venir mettre notre comment, on va venir mettre notre ruban. Alors, on va prendre le ruban de Noël. On va mettre à l'intérieur. Hop, hop, hop. Et je vais couper ici. S'il y en a trop, je couperai. Ça, c'est Evie que vous entendez qui est en train de faire plein de simagrées parce que madame veut aller manger. Hop, on va mettre du double face derrière. Alors, j'avais le double face orange, il est là. Je mets du double face, moi, derrière le... Hop. On fait pareil sur l'autre. Alors, si vous mettez de la colle chaude, ça va faire des bourres soufflures. Hop. On retire le double face, la protection, si ça veut ou pas. Ça retire tout en même temps, évidemment. On est en tuto, donc évidemment ça va pas marcher. Je vais m'énerver. Sylvie, il ne faut pas t'énerver, ça sert à rien. Oui, je sais. Hop, on prend. Vous voyez où est à peu près le milieu. Hein. Prenez une double face qui colle bien. Alors, on se met à peu près au milieu. Voilà. On tourne. Hop. Alors là, je ne suis pas au milieu, mais c'est pas grave, dessus, je mets une... Je mets une grosse déco, donc... Hop. Je ne suis pas très... très bien... J'ai acheté des ciseaux tout neufs, mais pourquoi ils ne coûtent pas les ciseaux? Je vais m'énerver, là. C'est les vieux ciseaux qui coupent le mieux. Hop, on fait pareil avec l'autre. Si c'est pas droit, c'est pas grave. Si vous mettez une grosse déco comme moi j'ai fait, ça se verra pas. C'est 2 heures à retirer le truc. C'est une blague ce truc. Oui, c'est vrai, hein, Evie, c'est une blague. Hein. Alors.
Alors, on se met à peu près au milieu, je viens de dire à peu près. Hein. On n'est pas obligé de faire un truc droit à droit. Hein. Hop, et celui-là, je vais couper. Et hop, voilà. On n'a plus qu'à mettre notre déco dessus. Alors les poubelles, elles sont mais pleines de chez pleines. Hop. Pour s'y retrouver, on met le pistolet à colle chaude en marche. Tac. Et vous voyez, c'est bien ce que je vous disais. On n'a pas besoin de venir. Comment de venir faire d'autres petits nœuds droit. Hein. On met de la colle un peu partout. C'est bon, c'est pas bon. Hop. Et je viens coller. Voilà. J'espère que ça va coller sur le tissu. Et j'ai plus qu'à mettre. Alors, je vais le mettre le nœud, je voulais le mettre là. Alors, je vais faire comme ça. Voilà. Et là, je vais mettre de la colle chaude sur mon nœud. Je vais le mettre là, je vais pas appuyer. Hop. Voilà, et notre petite boîte, elle est terminée. Voilà, vous avez fait une petite boîte renforcée, en fait, toute sympa. Vous pouvez venir y mettre des... On va dire, pendant que j'ai ma colle chaude, lui, il est en train de se défaire. Voilà. Pour venir mettre... On va le plier parce qu'il est en train de casser. Voilà. Hop. Pour venir mettre en fait quelque chose d'assez lourd. Voilà. Donc du coup, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Laissez dingo, laissez dingote. Scrapez bien. Et surtout, ne vous prenez pas la tête. Bisous, bisous. Ciao, ciao.